Hey, hello tout le monde, c'est Fulken et bienvenue sur votre deuxième épisode de notre Let's Play sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Je pense que dans la suite de nos épisodes, on va faire quelque chose quand même, un petit peu une introduction plus courte. Bref les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien et merci tout d'abord du fameux et du chaleureux accueil que vous avez fait sur le premier épisode. Je dois vous avouer, je suis vraiment super content de vous proposer le mode histoire. Alors, dans le retour des commentaires, je vous rappelle qu'on avait le choix entre eh bien, Naruto et Sasuke. J'ai pas eu, en gros, on m'a dit, fais ce que tu veux. Bah, c'est ce que je pense que ce qu'on va faire. Juste une petite chose. Sachez vraiment quelque chose qui me plaît dans cette présentation que je vous fais du mode histoire. C'est que, contrairement au Naruto d'avant, en fait, au Naruto Shippuden, le mode histoire se concentre uniquement sur le scénario. Donc, ce qui veut dire que vous aurez que du scénario et les combats. Ce qui veut dire qu'on va se cantonner, eh bien, tout simplement, à ce qui est de le mieux, à ce qui est le plus sympa pour vous à regarder, sans moment de temps mort, sans moment d'exploration ou en galère, etc., etc. Les amis, j'ai envie de vous proposer, comme vous le savez, eh bien, un épisode tous les deux jours. Ce qui veut dire que je présenterai pour vous des épisodes de maximum 30 minutes. Je me suis aperçu d'une chose, regardez. En bas à droite, temps de jeu estimé 8 minutes. Temps de jeu estimé, eh bien, 7 minutes. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, eh bien, on va dire tout simplement, un petit peu savoir comment organiser les vidéos. Et je trouve ça vraiment sympathique. Ok, les amis, on choisit Naruto ou Sasuke? Moi, j'ai bien envie de prendre Sasuke. Allez, c'est parti.火の葉隠れの里、そこに実刑に一族を滅ぼされし少年内葉サスケの姿があった。ひとときこそ安寧を過ごすも、復讐の道を歩むため少年は闇へと流れ、ついには兄内葉イタチを制するに至る。 されど、かの言動は全てが虚実。真なる敵は木の葉にあった。かぼそき憎しみの種火は、やがて第四次忍界大戦の大火へ。開かれた大戦の門。戦場へ向かうその最中、内葉サスケは予期せぬ姿を瞳に捉える。 それは現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人はついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことを成したイタチは光へ消えた。俺は お前をずっと愛している。ただ一言、真実の言葉を弟に残して。 見つけた。水月、それに15か。探したよ、本当。で、今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。うん、それがそのすごい巻物をオロチマルなアジトで偶然見つけちゃってさ。見て見てみ。 すごいでしょ。これだ。全てを知る人間。とりあえず会わなければならない奴ができた。え、誰？オロチマルだ。はあ？何言ってんの？オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あの渋い男のことだ。あれくらいで消え去るものか。15、そこの女を連れてきてくれ。
こいつをかぶとがさらっていたこの葉の久の市だ。獣院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。虫かよ。解除封印。 Les amis, je suis sur les fesses parce que là, en fait, c'est carrément une partie, comme je vous l'avais dit, du manga que je ne connais absolument pas. Alors je savais qu'Orochimaru allait revenir, mais je ne savais pas comment. Détruire Orochimaru, d'accord, avec plus de 70% de PV, blablabla. Bon, ça on s'en fiche, mais on veut le scénario. Mais je suis trop content. D'accord, donc on a des amis avec nous, pas de soucis. Ok, allez, on va essayer de le détruire. Ça se passe bien avec Sasuke. Alors, pour l'instant, on fait du corps à corps. Waouh. C'est classe, c'est trop trop classe, les amis. Ok. Alors désolé, hein, faut que je trouve le... un petit peu mes marques de fabrique, mes marques de... Voilà, pour l'instant, ça va pas trop varier au niveau du gameplay. Oula. Oh là là, oh là là. C'est génial. Alors, coup final, secrète possible, d'accord. Ah, trop près. Ok, très bien les amis. Donc je pense qu'en utilisant, vous savez, l'attaque ultime, Y, Y et B en l'occurrence, je pouvais avoir la technique secrète, mais j'ai pas eu le temps de le faire. J'avais pas vu la... tout simplement la... le combat, eh bien, qui arrivait à sa fin. Ok les amis, c'était... waouh. C'était waouh. この程度でいいわ。それに戦ってみて分かった。以前とは少し違うよね。さて、オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこと、いちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中で ずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺はあまりに何も知らない。奴らに全てを聞く。そんなこと知らなくてもいいじゃない。君はまだ子供なんだから。そうじゃない。今はもう子供じゃない。子供ではいられない。 そもそもの始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか、全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意思と目でなすべきことを見据えたい。今のあなた、悪くないわね。いいわ。 Ok les amis, et bien franchement, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on retrouve Orochimaru si,
si tôt que ça, franchement, dans le début du combat. Et franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Alors je sais, vous allez être peut-être, comment dire, surpris par mon excitation et tout ce que vous voulez. Mais sachez que pour moi, c'est de la découverte. C'est de la découverte totale. Ça fait à peu près 2 ans, hein, je vous rappelle, que je m'étais arrêté à l'épisode 309 de Naruto Shippuden. Hein. C'est... Voilà, je sais pas quoi dire. Bon, on a bien réussi, ça va, pas de soucis. D'accord, toucher une fois avec Ninjutsu, d'accord, toucher une fois avec Ninjutsu Jugo. Ok, pas de soucis. Bon, de toute façon, ça je le ferai de mon côté après, hein, quand on aura fini bien le let's play. Je veux dire, tous les objectifs bonus que je n'ai pas fait. D'accord. Le titre et le nom affichés sur votre carte ninja en mode combat en ligne. Ok, bon, tout ça c'est pas nouveau, ça date depuis Naruto Storm 2. Nouvel épisode déverrouillé, vous pouvez maintenant jouer à ceux qui savent tout. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va faire la poursuite, et eh bien tout simplement des... On va faire la poursuite, oui, tout simplement de Sasuke, on viendra après sur Naruto. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, go. Temps de jeu estimé, 14 minutes. Ouais, ça paraît plutôt pas mal pour finir cet épisode en toute beauté. Allez. On va avoir de belles cinématiques, j'aimerais bien. この巻物に書かれている術を使うには、この面が必要なのよ。これを使い、式風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして、死神に封印されているものを解放すれば。 15、 サスケ、 水月、 準備なさい。 あとは 15、 あなたのチャクラを使って サスケから奴らを外に出しなさい。 そうすれば トビがサスケの癇癪につけていた舌が そのチャクラに呼応して 表へ出てくるはず。 彼らは あの4人を呼び出す生贄となってくれるわ。江戸転生の術。さあ、来るわよ。全てを知る者たち。先代のほかげたちが。 初代ホカゲ、忍びの神と謳われた千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ。我々を封印していた式風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸転生を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。 貴様、また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね、彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺はウチハサスケ、あんたたちホカゲに聞きたいことがある。なんと、サスケか。三代目、 イタチになぜあんなことを。もう知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい、イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し、反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしに
お前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代ホカゲ、あんたに聞く。里とは何だ、忍びとはそもそも何なんだ。イタチは、兄は木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて、本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、それとも。木の葉へ復讐だと。それをこのわしが許すとでも。扉間。指を下ろせ。わかった。ガッハッハッハ。いやー、すまんすまん。さて、里についてか。もちろん話してやってもよいが、ちと長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内浜だらが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かに、ここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にもいくつか。これは、そうか、この感じ。ナルト、お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマル貴様。オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよの、まず里と忍びについて語るには、内派と千住、マダラと俺についてからだの。激闘に続く激闘。マダラも俺も、もはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。Alors, détruire Madara, technique secrète inutilisable. Gagner avec plus de 70% de vos PV, toucher 3 fois l'ennemi, d'accord. On va quand même pas refaire tout simplement le combat qu'on avait fait lors du premier épisode, j'espère. Ok, non, c'est le combat final. Allez. Ah oh, non. Hey, salaud. Il esquive bien. Ok, on reprend du chakra. Alors je sais pas si... Ouais, parce que technique secrète inutilisable. Voilà, une condition au préalable de fait. Bon, par contre on a plus... J'ai mal esquivé. J'ai très mal joué. Allez, faut qu'on récupère un petit peu. Permutation, comme on dit.
Allez, go. Allez, go, 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 go. On aurait pu encore l'enchaîner. Ouh, ça fait mal. Oh là là, oh là là, oh là là. On a eu les 70% de PV. Mais il fait trop mal, quoi. Allez, on temporise. J'ai plus de permutation. J'avais plus de permutation, les amis. Oh, c'est pas vrai. Premier fail. Mesameo. Omae wa mada nemuru beki sonzai de wa nai. Sentaku seyo. Onore no michi o. Soshite futatabi ayumu no da. Alors choisis ta voix. Volonté inflexible, recommencez le combat avec 100% de PV, renforcez votre défense, recommencez le combat sans restaurer les PV de l'adversaire, d'accord. Et esprit combatif embrasé, recommencez le combat avec 100% de PV, renforcez votre attaque. Bah écoutez, on va faire ça. Ah c'est génial les idées, il y a des très bonnes idées. Alors c'est peut-être voulu, hein. Non. Eh. Voilà. C'était peut-être voulu, je ne sais absolument pas pourquoi, en fait, ça nous propose ça. Bah écoutez, hein. Alors, il y avait peut-être deux chemins possibles. できないか。それが柱間。お前の甘さだ。俺は俺たちの、いや、俺の里を守る。何があろうとも、里を守ることが何より人を。 忍びを子供を守ることになると、俺は信じる。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、里に仇なす者は許さぬ。本末転倒だな。それが里の闇になる。いずれ。 俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した里のために。そう、里とは始まりにマダラと俺が望んだ里とは 一族と一族をつなげるものだった。無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。 この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ
何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは耐え忍ぶもの。目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だが、マダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言った、マダラが復活し、この世の忍びを消すつもりとは、具体的にどのようなものかは分からぬが。無限つくよみ。里も忍びも、国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ、己の思い通りに操ることだ。俺の兄が、あんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならば、なおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして、初代火影の話を聞いて、あなたの考えはどうなったかしら。やはり、刃を木の葉に向けるのか。それとも。許せ、サスケ。俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を、母を、内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。Eh bien les amis, que de révélations, en tout cas pour moi. Waouh! Le fondement même du village, des habitants. Finalement la mort de Madara, hein, pourquoi? On avait... Enfin en tout cas pour moi, je ne savais pas comment ça se passait. Ok, donc un rang B. On a rempli trois conditions, d'accord. Alors, on va voir. En mode histoire, vous pouvez aussi suivre des histoires annexes. Ces histoires annexes n'entrent pas en jeu pour terminer un chapitre. Alors, vous pouvez vous y intéresser quand bon vous semble. N'hésitez pas à mener à bien ces épisodes annexes afin d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. D'accord. C'est ce que je suppose. Nouvel épisode déverrouillé, vous pouvez maintenant jouer à la voie de la séparation, d'accord. Direction le champ de bataille. Très bien. Donc c'est ça un épisode annexe, j'ai l'impression, c'est, si je me trompe pas. Voilà. Bah écoutez, c'est ce que je vous propose qu'on fasse lors de l'épisode prochain. On fera cet épisode-là et donc celui-là. En tout cas, merci d'avoir regardé ce second épisode. N'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter cette vidéo. J'ai vraiment très hâte de vous retrouver pour la suite de nos aventures. Ciao tout le monde !